Cher futur moi, Adolas du futur, j'aimerais commencer par te dire là où nous sommes actuellement. Peut-être que tu ne te rappelles pas. Là, je suis en RDC, à Kinshasa. Nous sommes le 27 octobre 2020. Il est actuellement 13 heures. Je viens à peine de finir les examens. Et c'est la toute première fois que j'ai fait les examens en tant qu'étudiant. Et ça a été vraiment flippant et magnifique. Parce que je crois que les parents seront contents de moi. Je crois que lorsqu'on va publier les résultats, je serai admis. Est-ce que tu es maintenant un grand médecin? Tu es généraliste? Ou tu fais la spécialité? Ou tu as déjà fini ta spécialité? Comment ça se passe dans ton boulot? Comment est ta vie, Adolas? Comment tu la trouves? Et j'ai une question à te poser. J'aimerais te demander si papa, il est encore en vie. Si, en tant que médecin que tu es devenu, tu as pu le guérir. Je veux que dans 10 ans, que tu me dises que papa, il est fier de toi. Le petit oiseau, comme il t'appelait souvent, comme il m'appelle. J'espère que même en regardant cette vidéo, qu'il est proche de toi. Dis à papa que je veux faire tout mon possible pour réussir, pour que sa maladie trouve une solution. Pour qu'il soit au moins bien dans la vie. Pour qu'il soit capable de t'écouter. Pour qu'il puisse entendre, écouter encore une fois la voix de son petit-fils. Là, je suis à Kinshasa, papa il est à Brazza, il est à Pointe-Noire, disons. J'ai pas cette occasion de parler avec lui, puisque je ne peux pas m'écouter, il ne peut plus me parler. Mais il va bien. Mais j'espère que si tu as pu arrêter, tu as pu faire le temps possible que maman puisse arrêter de porter ces bagages-là sur la tête, de marcher toute la journée pour prendre soin de toi. J'espère que elle a pu, elle est actuellement fière de toi. Adolas, deviens ce que tu veux. Deviens ce que tu veux. Deviens celui-là où, celui qui est que maman. En tout cas, fais ton mieux pour réussir. Cher futur, Amadou dit futur, Nambada. J'espère que si tu as joué ma Wayli, ma Hawodi no Wada. Amahi galle, parce qu'on est tari, maïdo, qui s'allie jam. C'est d'un béni, tu comme Hajouni, Adene Yima. Cher futur, moi, merci de m'avoir écouté. J'espère ta vie sera comme je l'ai espéré.